Bijou Libertin, la dernière fois nous étions restés à Harry Potter à la chambre de secret sur des duels incroyables où nous avions déglingué Poufsouffle qui cheatait, Serdaigle qu'on avait malmené et qu'on avait récupéré le mot de passe pour entrer et beaucoup de cartes et sorciers célèbres à Poudlard. Donc maintenant nous avançons un petit peu dans l'histoire, voir ce qu'on devrait faire. Oh! Oh mais il y a de la vie! Eh, contrairement au 1, hein, Le vous voyez, de cours de la vie. botanique Merde, a chut, lieu ta gueule. dans une des serres dehors. Alors on y va. Ok. Et contrairement au premier, il y a de la vie dans ce 2. J'ai l'impression. Enfin, vous voyez, il y a des personnes qui courent de partout. Oh là là. Ah, t'as pas du feu là? T'as pas du feu? Si, vas-y, mec, t'as pas du feu. Ouais, Harry. Oh, nice! Voilà, moi qui avais plus de vie. Nickel. Les dragées, est-ce qu'on va les récupérer? Bien sûr qu'on va les récupérer! Par contre, je l'ai bien vu là. Est-ce qu'il y a une porte secrète ici? Je ne pense pas. Non, le mec, quoi. S'il n'arrive pas à voir ça. C'est pareil quand j'avais 2 ans, quand j'ai joué à jeu. Non, j'avais quel âge quand j'ai joué à jeu? J'avais 5 ans quand il est sorti le jeu. J'avais 5-6 ans quand il est sorti. Donc, ouais. Bah, c'était parfait. C'était là je jouais à Harry Potter sortait. Je parie que ça va être Albus Dumbledore, le dernier qu'on aura en carte des sorciers, sorciers célèbres. Ok. Oula, ça va être là, ça va être l'horreur. Je récupérerai les dragées plus tard, ne vous inquiétez pas, de toute façon on va devoir redescendre pour les récupérer. Putain, les escaliers quoi! C'est les escaliers de géants, mon gars! Non mais vas-y, j'ai de la repoux, c'est comme ça, hein! J'ai de la repoux, bordel! Il y a des rats géants maintenant! Mais cassez-vous! Calmez-vous là! C'est quoi ce. Ok, c'était des petits boss, Ok. Pour un gamin, ça peut être perturbant, c'est vrai. C'était une zone de semi-boss. J'aime bien. Avec deux gros rats. Je me rappelle, il y avait des gros rats noirs, mais là, ils sont. Là, j'ai dû débloquer quelque chose. Oh, une autre porte là-bas. Ah, d'accord, ok. C'est des zones, en fait, pour avancer. Ok, bah, par contre, tu perds de la vie, ça, c'est bête. Hein. Par contre, tu dois tomber et perdre de la vie. Ouais, ok, ça va m'ouvrir la porte là-bas. Ok, j'ai compris. Donc là. Oula, 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 petit lag. Hop! Le level design est plutôt pas mal, pas très compliqué à comprendre. Même un enfant de 5-6 ans comme moi y arriverait, je pense. Enfin, j'ai pas de souvenirs hein, quand j'avais cet âge-là, mais je pense que j'y arriverais. Même si des fois ça peut être compliqué. En tout cas, bon, voilà, bientôt je vais sur mes 28. Je crois qu'à mon âge, j'y arrive. Oh, mais je vous rappelle, vous êtes dans le 1, vous! Oh putain, comment je l'avais lui? Ah oui, il fallait qu'il tape. Non, attends, il faut qu'il tape. Tape, tape, tape. Voilà. Nickel. Non. Il frappe. Merde. Oh merde, il faut que je l'aie. Ah, il bouge. Quoi? C'est cheaté ça, monsieur. Vous cheatez. Merde, je voulais l'avoir comme ça. Ok, de 1. Et de 2. C'était pas simple. J'avoue, il était pas simple le bouclier. Pourtant, je comprends. C'est comme le 1 en fait. Faut qu'il attaque, après tu le tapes. Mais je me rappelais pas. Par contre, ils font mal. J'ai vu la choco-grenouille à droite. Là. Ah voilà, maintenant j'ai débloqué la porte. J'ai vu la choco-grenouille, vous inquiétez pas. Hop, quittez-la. Nickel. Hop! Hop, petite dragée. Est-ce qu'il y avait une choucroute de l'autre côté d'ailleurs? Il y en a dans chaque, sur chaque intégère ou pas? Non, non, il n'y en avait qu'un seul, ok. Je me rapproche que des fois, on peut ne pas les voir. Oh, je peux pas faire ça, sérieux. Putain, je faisais ça, j'avais directement accès. Putain, il y a un lag sur la. Près de la colonne, là. La colonne d'escalier. On va faire une petite safety au cas où je crève. On sait jamais. Oh putain. Vas-y, allez go, affronte-moi. Allez boum sur le panard. Allez hop, on a l'habitude de ça. Allez bam, regarde dans le pied. C'est tout le temps le cas avec ça. Oh putain, ils ont rajouté des mecs. Allez vas-y, sors ton bouclier ton mec là. Vas-y, vas-y, tape-moi toi. Tape-moi là. Tape-moi, viens me taper là. Là, Dobby il a fait des cons là. Dobby il a fait des cons. Au moins, Dobby, ça donne une raison. Dobby a enchanté les chevaliers pour ralentir Harry Potter. Pour son année. Ah, par contre, vous êtes pute, hein. Vous êtes pute de l'avoir mis devant moi, là.
Est-ce que j'ai juste besoin de faire un coup? Je sais plus s'il fallait que je charge en fait. Au pire. Ouais mon gars, vas-y. Rien à foutre. Rien à péter. Allez. Hop là. On est pas obligé de le combattre, on gagne rien à les combattre donc. Gaspard Shingleton. Gaspard Shingleton maintenant. Qui c'est, j'en sais rien. Let's go, on va regarder. Harry Potter. Le in Félix la Gré Ro Dorca Yard Elga Pouf Chans Verticro Erpo Engist de Paracel. Gaspard Shingleton. Célèbre inventeur du chaudron à touillage automatique. Prends un cookéo, ça marche aussi, ça marche bien aussi. Enfin bref. Enfin bref. Quoi? Ah! J'ai plus de vie, hein. J'ai plus de vie, fais pas le con. C'est comme ça, on est d'accord. Ah merde, ça, putain, ça se laisse. Ok. Ah mais non, la porte elle est pas. Je pensais qu'il était en haut la porte, mais alors en bas, je suis. Vous pouvez m'insulter, hein. Vous pouvez m'insulter. Vous êtes autorisé là. Vous avez 2 secondes. Après je supprime votre commentaire et je vous radis de la chaîne. Le mec autoritaire tyrannique. Un macronien quoi. Ah je suis vraiment une salope quoi. J'en débarre. Mais tellement réaliste. Ah bah généralement vous savez ouais, surtout en Corée du Nord hein, ça se passe comme ça hein. T'es pas d'accord avec moi? BAM. Allez hop. Headshot. Kim Jong-un, il y a un gold 0. Et encore maintenant, il est un peu plus ouvert au niveau de son pays. Mais à l'époque, putain, c'était comme ça. Hein. Run! Il faut sortir pour aller au cerf. Si on sort, il faut éviter le sol cogneur. M'en parle pas. Comment ça, le sol cogneur? Ah! Incroyable. Le parc du château. C'est bon. C'est bon. Et il y a quand même des assets, hein. C'est quand même bien représenté Poudlard, en vrai. Mais après, je crois que le jeu est comme de 2002, 2001, 2002. Donc il est pas récent sur la PS1, quoi. Hein. Il est vraiment pas récent sur la PS1. Hein. Faut se dire qu'à ce moment-là, la PS2 venait de sortir, je crois. Hein. Je déconne pas. Je déconne pas. Après, faut dire aussi que les jeux PS1 sont restés très longtemps encore quand il y avait la PS2. Il y en avait encore qui sortaient. C'est par ici. D'ailleurs, pareil pour la PS2. Hein. Il y a eu encore plein de jeux qui sont sortis. Collège Poudlard, école de sorcellerie et du terrain d'entraînement. Donc, il y avait encore plein de jeux PS2 qui sortaient, même quand la PS3 était déjà sortie elle aussi. Hein. Par contre, la PS3, on l'a vraiment oublié. Pour moi, la PS3, quand la PS4 est sortie, ciao. PS4, pareil, ciao. Alors que PS1 et PS2, faut vous dire ce qu'il y a. Il y avait encore des jeux qui sortaient des années après. Hein. Bon, PS3, faut éviter parce que quand Cyberpunk a été la bonne. Cyberpunk 2017 a été le bon exemple à éviter de sortir des jeux comme ça. J'aimerais bien faire partie de l'équipe de Quidditch. Si tu pouvais parler de moi, Olivier Dubois, tu veux bien? C'est toi que j'ai défoncé? Tu es l'attrapeur de Gryffondor. Ah non, je crois pas. Peut-être. Je croyais que c'était lui qui avait défoncé pendant. Non, c'est un Gryffondor lui. Ouais, c'est un Gryffondor, c'est pas un cerf d'aigle. C'est un cerf d'aigle. Je sais pas, il y a un cerf d'aigle qui lui ressemble. En vrai, ils ont peut-être pris les mêmes assets. Hein. Ça y est, c'est le champion de cerf d'aigle que j'ai défoncé. Ouais, ok, c'est là. Non, après, j'ai des précipices hein, quand même. J'adore un Poudlard qui est basé sur des précipices. Maintenant. Ah, pour le suicide, c'est génial, hein. Ah, les japonais se régaleraient, hein. Oh, je suis horrible de dire ça, mais c'est putain de vrai, quoi. C'est putain de vrai, ce que je dis. Je suis horrible, mais je sais, mais c'est la vérité, merde. Ah, tu fous les japonais là-dedans, il y aura l'air de suicide, hein. Je suis désolé, c'est vrai. Le mec, l'école, c'est... Tu peux mourir à chaque instant, tu peux te foutre en l'air à chaque instant. Tu sautes du vide à chaque instant, c'est incroyable. Il n'y a pas de protection. Genre, il y a des falaises, enfin bref. Rien que le pont en bois, là.
Le pont en bois. Je suis désolé, ça, le truc en plus il est tendu, le truc je sais pas comment il tient avec des poutres de plusieurs 20, d'au moins 30 mètres là. C'est un mur secret ça, je reconnais. Vas-y, vas-y. La caméra. Voilà, caméra, putain, je vais jouer avec L2 et R2 là, c'est chiant. Ah, toi qui suis. J'ai entendu parler de la voiture volante, la classe. Le professeur Chourov m'a posté là pour montrer le chemin de la serre numéro 3. C'est par là. T'inquiète. Oh, on va faire des choses avec Ginny à hauteur. Non, non, non. Ouais, on s'en va. Telle connerie là. Oh, ça va. Oh, vous imaginez là, dans la voiture volante, en train de faire des. En train de faire. Wow, ici. C'est la porte du cours. J'ai des idées, j'ai des idées, moi. On y va, Harry. Ah bah attends, y a pas mieux hein. Tu braques la voiture volante en face de la lune et là tu à l'intérieur quoi. Ah les meilleurs dates mon gars. Tu peux pas tester. Va en cours de botanique avant que le chrono ne s'arrête. Passe à travers les sabliers flottants pour déclencher le chrono. Si tu bats le record de vitesse pour te rendre en classe, le professeur Chourav va te récompenser avec un truc spécial. Non! Ma vie c'est de la merde! Je déteste! Ah, c'est horrible! Vous allez voir comment c'est horrible! Au début ça va! Mais je vous promets que c'est horrible! C'est stressant! C'est juste stressant! De ouf! Il y a une dragée là! Il y a une dragée! J'ai rien à foutre! Hein. Il y a une dragée, je vais pas la rater! Je vais essayer de faire le 100%! Ce qui est impossible, bien sûr. Hop, hop. Est-ce qu'on peut faire le 100%? Oh non, mais je vous promets. C'est horrible. Ah, si je fais le 100%, c'est respect. Je veux pas le savoir. Je vois rien. Prends-le. Ah, c'est super tendu. Et pas 100%. En fait, j'ai des putains de couilles hein. Ah, vous me direz pas le contraire. J'ai pas fait une erreur. Ne me dis pas qu'il faut. Je vais le foirer juste pas. Mais je peux pas récupérer ceux qui sont en bas non plus. Oh bon, à la foutre. Eh, j'ai essayé hein. Temps record de l'école. Temps actuel 1 minute 9. Bienvenue en deuxième année de botanique. Eh, tu sais quoi Potter. Nique toi. Nique vraiment toi. Je vais le faire en 50 secondes pour. Je m'en fous des dragées. Je veux ma carte d'essence essence célèbre. J'ai bien compris. Ok, le petit quoi, le petit truc rouge, c'est le. C'est le temps qu'il me faut pour avoir la carte. Et j'en ai rien à foutre, on va la faire. Moi, je veux remplir ma collection. Je vais passer des nuits incroyables au dortoir. Je vais me faper sur ma propre image. Parce que oui, Harry Potter est narcissique, il faut le savoir. Oui. Donne-moi ma carte, bâtard. Je sais que c'est pour ça. Très bien. Vous avez battu un nouveau record. Voici la coupe du challenge de botanique. Ouh. Harry, bravo. Okay. C'est de la merde. À quoi ça va me servir les coupes? Là, vraiment, je suis en train de faire le 100%. Mais bon. Ok, let's go alors, partons. Let's go! On va enfin apprendre un pouvoir qu'on avait déjà appris dans le premier. C'est parti. Je suis le professeur Chourav. J'enseigne la botanique. Soyez prudent avec la tentacula vénéneuse. Elle fait ses dents. Vous pouvez avoir un A, un B ou un C dans ma classe. Les meilleurs seront récompensés. Faites au mieux. Regardez ma baguette magique lorsqu'elle se déplace sur l'écran. Puis appuyez sur les symboles qu'elle montre. Refaites le tout trois fois
pour apprendre le sort Incendio Duo. Ouais. Clairement, c'est Tentacle Senpai à droite. Parfait. Bien. Non. Bien. Non, je me rappelle de cette merde. Bien. Vous allez voir après, ça se complique. Des fois, il me fait des feintes. Bien. C'est horrible. Des fois, ça me fait des feintes, ces merdes. Ah, là, vous avez de l'imagination pour Tentacle Senpai avec Hermione, hein, à gauche, voilà. Je le dis. Il y a des artistes, je sais que j'ai déjà fait ça. Essayez celui-ci. Très impressionnant, j'ai eu 54%, connasse. Parfait. Bien. Comment tu fais parfait? Bien. Bien. Ok, faut pré-shot, en fait. Parfait. Ok, faut pré-shot. Oh, faut pré-shot le rond et croix légèrement en avance. Quand il arrive sur le point, en fait. 70, ça améliore, ouais. C'est la puissance, c'est la puissance. On est... Maintenant, concentrez-vous. Ça va être plus difficile. On est dans l'animé, là, 100%, là. Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. C'est un animé incroyable. Parfait. Je sais plus comment il s'appelle, là. C'est un animé incroyable avec le mec qui augmente sa puissance. Ta gueule. Parfait. Ta gueule. Parfait. 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 Non, mais sérieux. T'as pas rien de ta... Là, je vous le fais à moi, mais vous avez compris ce que je suis en bordel, là. Incroyable. Nique toi, je refais pas. Monsieur Potter, vous avez une très bonne note. Suivez-moi dans la serre numéro 3. Suivre un professeur louche qui s'appelle Chourave. Vous voulez ma baguette? C'est ça? Elle veut ma baguette? Oh, alors regardez-moi ces polygones en 4K. C'est magnifique. Ah, vous pouvez pas rêver mieux, c'est magnifique. Oh là là, les JPEG de fleurs. Pixelisé à mort. C'est magnifique, ça a tout son charme. Il n'y a rien acheté. Tout a été à garder, tout est à garder. Ah, ça c'était... Là, on commençait vraiment, là, avec Harry Potter, là, on commençait vraiment à voir les jeux vraiment 3D avec Metal Gear Solid. Même Metal Gear Solid, je trouve que c'était meilleur. En même temps, je crois qu'il y avait beaucoup plus de pixels dans Metal Gear hein, que dans Harry Potter. Qui est sorti d'ailleurs 2 ans plus tôt, ou 3 ans plus tôt. Oh putain, il a le casque. Ah oui, c'est vrai, les mandragores, ça hurle. J'avais oublié ce détail. Madame, vous avez pas du feu, là? Bienvenue à la serre numéro 3. Ceci est une mandragore. Oh, son cri est très dangereux. J'ai pas envie que ça m'explose les oreilles. Voilà pourquoi il faut des caches-oreilles. Il faut que vous ramassiez au moins 3 mandragores dans cette serre. Plus vous ramassez de mandragores, plus vous gagnez de points pour Gryffondor. Je crois que j'en ai déjà assez, je suis déjà à 105 points. Je crois qu'on est bien devant le Serpentard. Incroyable. Non. Non. Oh, Hermione. Attends, Harry. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Hermione? Je t'entends pas. Regarde! La mandragore se fait attaquer par des limaces géantes. J'en ai rien à foutre. Putain, maintenant on affronte des limaces. Éloignez les limaces de la mandragore avec le sort Incendio Duo. Quand les limaces seront éloignées, utilise le sort Wingardium Leviosa pour les arracher. Ça va, les limaces, hein. C'est qu'une plante, hein, les limaces. Bon, voilà, quoi. Il y a qu'elles se nourrissent un peu, merde. On a besoin de tout. C'est de la vitamine, hein. C'est pas... Faut pas croire, la limace est dégueulasse, mais c'est bourré de vitamines. Oh, merde. Oh putain, hé! Incendio! Incendio! Ah, c'est mieux! Avant, Incendio, par contre, Incendio c'était un pouvoir que tu devais à chaque fois faire, bah tu devais attraper les touches. Incendio! Et là, ça va. Bon, par contre, il m'a fait peur, j'ai plus de vie. Vas-y, arrache-le, arrache-le! Maintenant, je t'arrache ta gueule là! Oh, vas-y, sors à ton tarier là! Je t'ai sauvé pour t'arracher d'ici! Oh là! On va le mettre où là? Hop, et on te récupère, c'est ça? Ah, ok. Et hop là! Dans l'inventaire magique. L'inventaire magique. Le fameux. Oh, j'ai récupéré toutes les mandragores. Oh, je vais récupérer toutes les mandragores. Oh, let's go. En vous souhaitant une agréable journée, une bonne soirée, bisous, c'était Xanassu. Harry Potter et la chambre des secrets. Et tchou!